Tu n'es pas le premier homme à s'endormir pendant une garde, mais peu le font avec autant de bruit. Je ne voulais pas te décevoir, Jarl Guthrum. Cela n'a duré qu'un instant. J'étais fatigué. Nous le sommes tous. La marche fut longue pour arriver ici. Néanmoins, tâche de ne plus me décevoir. C'est compris. Mon Jarl. Pardonne-moi. Tu dois être Eivor. On m'a beaucoup parlé de toi. On te dit de grande valeur. Nous verrons cela. Jarl Guthrum, fléau des Saxons de tout le sud. C'est un honneur de te rencontrer enfin. Belle marque de respect. Cela me plaît. Espérons que tu combats aussi bien que tu parles. Eivor espère reprendre Sigurd à cette folle de Fulke, qui s'est retranchée dans la forteresse de Portchester. Si tu veux être couronné roi du Wessex, Portchester doit tomber. Cette alliance nous servira tous les deux. Tu as promis une grande armée, mais tu n'envahirais même pas un potager avec ceux que tu as rassemblés ici. Mes forces ne se limitent pas à cela. Où sont les autres? Tes alliés sont en chemin. Un peu de patience. On ne peut pas attendre. Nous attaquerons au plus vite. En étant si peu nombreux, es-tu à ce point pressé d'aller au Valhalla? Je ne resterai pas les bras croisés alors que cette chaîne retient Sigurd. Nous devons nous regrouper dans les bois, à l'est de Portchester. Mais l'ennemi dispose d'éclaireurs. Je m'occuperai des éclaireurs. Dis-moi où ils sont et Fulke perdra la vue. L'un d'eux arpente la route entre Brixworth et Sicestre. Un autre est sur la berge au nord de Crawley. Un troisième est sur les hauteurs au sud de Croinden. Mais ce ne sont que ceux que nous avons vus. Il peut y en avoir d'autres. C'est un risque à prendre. Je trouverai les éclaireurs. Toi, conduis les troupes près de Portchester. Un défi audacieux, nourrisseuse des corbeaux. Si l'on nous voit, nous serons vulnérables. Pour obtenir la victoire, c'est maintenant ou jamais. Le moindre retard peut causer la mort de Sigurd. Sois seulement à la hauteur de ta renommée. Eivor, vieille marmite de pisse de bouc. Le roi Oswald te salue. Brotir, brodeur. Oh, est-ce l'inverse? Je suis content de te voir, Eivor. Oh, arrête de miauler comme un chaton amoureux. Il est comme ça depuis le mariage. Nous aurons l'occasion de nous rappeler le passé. Bon, vous êtes prêts à faire couler le sang? Après ce chien de rouette, je n'aurai aucun mal à mettre en pièces quelques Saxons bien tendres. Cette vipère de Fulke se cache derrière ces murs de pierre. Mais Eivor va la faire sortir. Tu as toujours un faible pour elle, n'est-ce pas, mon frère? Eivor et lui? Vise moins haut, l'ami, et tes rêves se réaliseront peut-être. Eivor! Ma deuxième habitante du Nord préférée. Devrons-nous toujours nous retrouver en des circonstances aussi violentes? Ainsi vont les choses. Mais des retrouvailles entre amis sont un rayon de soleil en ces jours bien sombres. Toujours optimiste, Stow. Je suis heureuse de vous revoir tous les deux. Je n'ai pas apporté de mots aimables, seulement ma lame. Voyons ce qui sera le plus utile. Yuvina, à nouveau nous combattons côte à côte. Mes salutations du Nord, mon ami. Et comment va Yor? Il nous reproche encore d'avoir bousculé le conseil de Yorvik, mais il apprécie notre aide. Pour être franche, je crois qu'il est vexé de ne rien avoir remarqué. Les blessures d'orgueil sont lentes à guérir. Merci d'avoir répondu à mon appel, mon ami. Sigurd t'en sera reconnaissant. Pour ton frère, je suis prête à retourner toute l'Angleterre.